quand je fais des livres, je ne réfléchis pas forcément à un livre pour les enfants. Je pense plutôt à un livre qui puisse être accessible aux enfants. Il y a d'abord cette idée de l'objet, en fait, et qui est particulièrement importante chez les tout-petits, parce que l'accès au livre, il se fait d'abord par le toucher. C'est un public qui me paraît intéressant parce que les enfants savent lire des images et qu'avant le texte, je travaille des images. Le petit livre des grandes choses, c'est un imagier, mais qui est raconté sous la forme d'une histoire où on suit plusieurs enfants tout au long d'une journée. Le principe du livre, c'est une alternance entre une image vue du point de vue de l'enfant, du tout petit. Donc ça peut être la table du petit déjeuner vue d'en bas, vue en contre-plongée. Et cette image-là est suivie d'une autre image, qui est une image plus distanciée, et qui pourrait être le regard du parent ou le regard d'un adulte, un regard extérieur, où l'enfant peut se voir interagir. C'est un livre qui doit être là pour faire le lien entre l'enfant et le parent. C'est une sorte de médiateur et d'accompagnateur, en fait, du lien entre parent et enfant. Je réalise d'abord une esquisse au crayon avec seulement les contours de l'image. Et à partir de cette esquisse, je réfléchis à quelles vont être les couleurs et où elles vont se situer pour pouvoir découper des pochoirs. En général, j'ai un pochoir par couleur, quelquefois plus. Je peins ensuite avec un rouleau en mousse et de la gouache dans ces pochoirs, ce qui me permet de voir l'image apparaître petit à petit, couleur après couleur, un petit peu comme en imprimerie. Et c'est ce qui fait la magie, en fait, de cette technique, de voir les petits décalages qui peuvent exister entre ce que j'ai imaginé de l'image et ce qui sort réellement. Et ensuite, je viens dessiner tous les petits détails au crayon de couleur. En travaillant pour les enfants aussi, ce que j'aime, c'est me dire que je travaille pour les adultes de demain. J'ai l'impression que les enfants sont plus ouverts que les adultes et ont encore ont plus d'ouverture d'esprit parce qu'ils découvrent le monde. Et moi, ça m'intéresse d'essayer de les accompagner dans cette découverte.